aller voir le patron. Comment as-tu dit qu'il s'appelle? Il n'a rien dit. Méfiant, hein. Monsieur Booth est directeur et propriétaire. Ça va, dis à Monsieur Booth que Monsieur Tetum veut lui dire un mot. Charles Tetum, de New York. À quel sujet? Demande-lui simplement si ça l'intéresserait de faire un bénéfice de $200 par semaine. Qu'est-ce que vous avez dit que vous étiez? Assuré? Je n'ai rien dit. Méfiant. Monsieur Tetum. Monsieur. Allez-y, je vous écoute. Voilà, Monsieur Booth. Je suis de passage à Albuquerque. En déjeunant, j'ai lu votre canard. Ça vous intéresserait de savoir ce que j'en pense? Mais certainement. Eh bien, j'ai eu une impression pénible. Alors, je ne m'attendais pas, évidemment, à lire le New York Times. Mais même pour Albuquerque, c'est un peu trop provincial. Très bien, je vais vous le rembourser. Maintenant, parlons de ce bénéfice de $200 par semaine. Mon nom ne vous dit rien, apparemment. Rien, absolument. C'est parce qu'ici, vous ne recevez pas les grands journaux. Je croyais que peut-être, de temps en temps, un exemplaire avait pu vous tomber sous les yeux et que vous aviez lu mon nom. Charles Tetum. J'ai travaillé à New York, Chicago, Détroit. Oui, mais c'est $200. J'y arrive tout de suite. Monsieur Booth, je suis un journaliste qui vaut $250 par semaine. Vous pouvez m'avoir pour 5 ans. Pourquoi êtes-vous si bon avec moi? Monsieur Booth, je connais admirablement tout ce qui concerne les journaux. Je sais les écrire, les éditer, les imprimer et même les vendre. Je n'ai besoin de personne pour l'instant. Je sais rédiger les petites nouvelles et aussi les grandes. Et s'il n'y a pas de nouvelles, j'en invente de toutes pièces. Allez, transigeons à $45. Pourquoi baissez-vous vos prix? J'attendais la question, car un journaliste de premier plan se paie très cher. Vous serez peut-être heureux d'apprendre que j'ai été balancé de 11 journaux parmi les plus importants. Les raisons vous importent peu. Au contraire, elles m'importent. Je suis un spécialiste du mensonge. J'ai passé ma vie à mentir. À des types qui portent des bretelles ou une ceinture indifféremment. Mais je n'ai jamais été assez stupide pour mentir à un type qui porte à la fois une ceinture et des bretelles. Et pourquoi non? Ça saute aux yeux que vous êtes un homme prudent, un homme qui vérifie et revérifie. Aussi, je vais vous dire pourquoi j'ai été viré. À New York, un article de moi a entraîné un procès. À Chicago, j'ai eu une aventure avec la femme de l'éditeur. À Détroit, je me suis mis à boire plus que deux raisons. À Cleveland... Je m'en rends compte. C'est ainsi que je me trouve à Albuquerque complètement démuni. Pas un sou en poche, des pneus crevés et une fâcheuse réputation. Les pneus crevés, c'est dangereux. Je n'ai qu'une chance de reprendre ma place. Avoir un emploi dans un petit journal pépère comme le vôtre et attendre qu'il se passe un événement formidable. Un événement sensationnel. Un événement que je pourrais annoncer le premier avant la grande presse. Un article habile, en édition spéciale. Ils me supplieront de revenir à eux. Parce que lorsqu'ils ont besoin de vous, ils savent tout oublier. Mais jusque-là, Monsieur Booth, vous aurez le meilleur reporter que vous ayez jamais eu. Je commence quand? À $40? Ne pressons rien. Vous ne voulez pas courir le risque? Ne croyez pas ça. Je ne crains pas les procès, parce que je suis avocat moi-même. Et que je vérifie et revérifie tout ce que j'imprime. Eh, vous prenez vos précautions. Quant à vos amours avec la femme de l'éditeur, je dois vous avertir que Madame Booth est trois fois grand-mère. Si vous lui faisiez la cour, elle en serait certainement flattée. Quant à l'alcool, buvez-vous beaucoup? Pas à la fois, mais fréquemment. Nous avons un principe ici, pas d'alcool dans les bureaux. On peut fumer? Naturellement. Et je paye mes reporters $60 par semaine. Je les accepte. Où vais-je travailler? Là-bas, près de la porte. Vous la pensez peut-être avant un mois. Le plus tôt sera le mieux.